pourrais venir chez vous le week-end. Si je décide pas comme ça, je vais en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant. Pourquoi nous nous intéressons à ces gens que vous dites bon, ordinaires ou à ces gens qui sont dans la partie qu'on ne regarde pas beaucoup, la partie de la société qu'on n'aime pas beaucoup voir. Pourquoi on s'intéresse à ces gens? Parce que nous, on les aime. Je crois que c'est aussi simple que ça, parce qu'il n'y a pas d'autres raisons politiques, sociologiques. On aime ces gens. Et je vais dire que leur souffrance humaine nous intéresse beaucoup. Papa! Papa! Je voulais te téléphoner, puis je me suis dit que ça servait à rien de t'appeler pour te dire que je pouvais pas venir. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Il m'a dit qu'il m'appellerait. Peut-être samedi. Je lui ai donné mon numéro de GSM. La relation biologique du père et de l'enfant ou de la mère et de l'enfant est quelque chose qui va perdre l'importance dans la vie, dans la société. Je pense que la relation d'amour est possible sans la biologie, mais en même temps, est-ce que tout est possible? Je ne sais pas. Je pense que quand on fait des films, on est inspiré consciemment ou inconsciemment par tous les films qu'on a vus et aussi sans doute par tous ceux qu'on n'a pas vus, mais dont on a entendu parler et que vous avez imaginé dans votre tête. Moi je dirais que parmi tous les cinéastes dont j'ai vu les films, par exemple, un de ceux qui reste pour moi un phare, c'est Rossellini, Roberto Rossellini, voilà. Le fait de travailler avec Cécile de France, pour nous, ça a été très 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 bien. Je dois dire qu'au départ, comme on n'avait jamais travaillé avec une actrice très connue, on avait quelques appréhensions en se disant, bon, pourvu qu'elle accepte ça, ça, ça et ça, elle a accepté tout ce qu'on lui disait, demandait d'accepter la manière de travailler, les répétitions, elle était tout à fait dans un rapport égalitaire avec les autres acteurs, surtout avec l'enfant. Et toi? Quoi? T'invites pas un copain pour toi? De quoi je me mêle? Je crois à la chose qu'on aime le plus quand on filme, c'est de découvrir un acteur, un nouvel acteur, une nouvelle actrice, et de voir pour la première fois sourire, pleurer, marcher, se retourner. On le découvre comme s'il naissait. Comme s'il était notre enfant.